Bou! Salut! Oui, j'espère que vous avez aimé mon petit effet. Ah merde! Attendez les gars, je suis bloqué! Attendez, je suis bloqué! Je suis bloqué! Je suis bloqué! Non, je rigole. Tout va bien. Tout va bien. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez tous. Bien. Salut Mathias, salut Nounours, bonsoir Arthur, je suis bien de voir que... Ah ben je suis là pour ça Nounours. Et tu n'es pas fan de Origins et Legends, tu es trop habitué aux 2, aux 3. Ouais j'étais un peu comme toi au début Nounours, hein. Un petit peu comme toi aussi. Salut Tony the Bear, salut Summer, salut Licton. Alors Mathias, pour répondre à ta question, avant de commencer notre périple cauchemardesque, tous mes lives, maintenant, les rediffusions seront mises sur ma chaîne secondaire Hortywood VOD. Voilà. C'est une chaîne secondaire que j'avais depuis longtemps. Et en fait, ça me saoulait de voir les rediffs sur ma chaîne principale. Donc, j'ai tout mis sur ma chaîne VOD. Voili, voili, voilou. Donc, c'est Hortywood VOD. Eh bien, je crois qu'on est parti, les mecs. Hop. Alors, on va donc jouer à The Spooky Remansion. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui a été fait par le créateur de Rayman Redemption. Et en gros, c'est un espèce de petit jeu Halloween qu'il a créé autour de Rayman, autour d'un Rayman sans nez, ce qui est quand même très effrayant. Alors je vais essayer de vous mettre ça dans la capture. Donc normalement c'est bon. Alors c'est un peu mal branlé au niveau de la résolution. J'espère que je vais réussir à faire un truc potable. Je vais réduire un peu le cadre pour moi. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Alors désolé, hein, je vais essayer de ne pas mettre trop longtemps. Ok, ça donne ça. J'aurais voulu éviter les bandes sur le côté, mais... Je crois que je vais pas y arriver. Je crois que je vais pas y arriver. Je crois qu'on va faire comme ça. Bon, en tout cas, je compte sur vous pour me donner votre force parce que je suis vraiment... Je me chie un peu dessus sur les jeux d'horreur, je vais pas vous le cacher. Surtout que ça, c'est vraiment le genre de jeu à la con où c'est juste des screamers à la con. Donc voilà, hein. Super concept de ta part de se créer... Oh putain, j'ai le son à fond. Oh, j'ai le son à fond. Ah oh, non, mais si je mets le son comme ça, je vais crever. Alors, déjà, est-ce que vous avez le son du jeu, vous? Ça, déjà, le premier truc. J'ai l'impression que vous avez le son du jeu, mais beaucoup trop fort. Je vais vous le baisser parce que vous allez mourir, vous aussi. Hop. Ok. Alors, Rayman a rejoint la partie. C'est génial. On est parti, hein. Donc, dites-moi si tout va bien au niveau du son, etc. Le but de ce premier Remansion est donc de collecter tous les petits... Oh! Putain, j'ai perdu déjà! Attendez, mais c'est hardcore! Ah, mais il nous baisse dès le début, le gars! Bon, c'est la première lose. Ok. Comme je l'ai expliqué, le but, c'est de collecter tous les things. Il y en a quand même 97. Sachant que je crois qu'il y a deux trucs cachés à récupérer. C'est goût de leçon, nickel, merci beaucoup Nounours. Merci beaucoup à toi. Donc voilà, on a une petite map, ça ressemble un peu à Pac-Man. Sauf que on risque. Je sens qu'on va très rapidement passer à Remansion 2. Parce que, alors, des Remansion, en fait, il y en a 4 en tout. Et le quatrième, il est sorti vraiment pour cet Halloween-là. Donc on va essayer de tous se les faire. Et je vous garantis pas de les finir. Hein. Déjà ce premier Remansion a l'air un peu hardcore. Et en plus le gameplay
est vraiment chiant. Alors voilà, en plus il y a des bugs de... Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Ok, la map! Bug pas, s'il te plaît! Ok. Alors je sais pas s'il peut y avoir plusieurs... Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Oh non, je l'ai vu. Oh, c'est très difficile de se diriger. Franchement, le mouvement de la caméra est tellement rapide que... Oh putain, mais le problème, c'est qu'il va me suivre à l'infini, là, ce connard. Il n'y a pas un moment de répit, parce que si j'ai un cul-de-sac, là, je suis foutu. Ok, ok. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Ok, je l'entends. Il fait des bruits de vache. What the fuck. Ah. Bon, ça va. Il n'est pas... Il n'est pas très rapide, le bougre. Alors, je sais pas s'il accélère au fur et à mesure. Je suis déjà très mal. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Je déteste ce genre de jeu, en règle générale. Oh, putain. Heureusement qu'on voit bien ses yeux briller dans le noir. Oh là là. 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 Ok, ok, il y a des things derrière moi. Ok. Ok, là. Ici, ok. 36, ok, j'en ai récupéré pas mal là. On est pas mal, je l'entends, putain. Ouh, non, 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 non. On était pas mal. Salut Edgy Gab. Joyeux Halloween à tous, bien sûr. Ok, on est reparti. Franchement, on n'était pas si mal. Il nous restait 36. Rayman has joined the game. Alors, le Rayman has joined the game, c'est vraiment un truc... Ça, c'est un truc tiré de Minecraft, quoi. Pour ceux qui se souviennent de la légende de Herobrine, bien sûr. Bon, au début, je vais pas regarder ma map. Je vais juste y aller comme ça. Putain, je déteste les... Mais non, mais il y a... Et ouais, mais les cul-de-sac, c'est hard, hein. Faudrait peut-être que je regarde ma map, en fait. Le problème, c'est que si je regarde pas devant moi, l'autre, il va me baiser. Ça m'a l'air chaud, quand même, de gagner, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Ok. Ok, par là, par là. Alors, ce qui est dommage, c'est que je me bloque dans les murs. Bon, je pense que le jeu, il a pas dû le développer en très longtemps, hein, à mon avis. Il a vraiment fait ça comme une blague, le gars. Donc, Rimani, hein, pour ceux qui connaissent. Le créateur de Rayman Redemption. Et putain, arrête de... Oh, le bâtard. Ça aurait été vraiment creepy de rajouter un Knarren ou un Mr. Dark amélioré. Je sais pas. Hein. Je trouve que le Rayman s'en est, il s'en sort pas mal en termes de d'horreur. Salut Rayman SSB. Salut à toi. Pour le moment, on est toujours sur le premier, The Spooky Remansion. Je compte faire les autres. Alors, dans l'idée, je voulais qu'on les finisse. Mais je dois bien vous avouer que ça me paraît hardcore, hein, quand même. Oh, putain. Oh là là. Oh, l'ambiance sonore est efficace, hein. L'ambiance sonore est efficace. Ok, je l'ai même pas vu arriver. Je vais m'augmenter un peu le son parce que j'ai fait le petit zizi, j'ai quand même baissé mon son. Je vais l'augmenter un peu. Thank you.
Putain, mais... Ah non, mais j'ai vu ses yeux à travers le mur, quoi. Ça a bugué. Bon, quand vous en avez marre, vous me le dites. On passe au second. Soirée spooky, scary, skeleton. Exactement. Shrosenta. Dis-moi, t'as encore changé de pseudo, toi? Tu t'appelais Shrosenta la dernière fois, ou... Oh, le bâtard. Alors, ce qui est drôle, c'est que le... C'est le... Yeah! De Rayman 1. Mais en complètement distordu. Alors, en fait, ce qui manque, c'est d'un petit effet sonore quand il s'approche de nous. Oh putain! Waouh! Mais vas-y, cours! Mais putain, il se bloque dans les murs, c'est horrible! Cours! Oh non! Ouais, c'est bon. En vrai, j'ai le seum par rapport à Rayman Cap, je voulais pas de ces foutus lapins crétins à la noix, j'aurais kiffé des ennemis plus charismatiques avec plus de développement. Est-ce que tu parles du projet Rayman 4, le fan game, qui est en train d'être fait? Est-ce que tu parles de ça? Parce que je pense que tu as une mauvaise image des lapins crétins par rapport à ce qu'ils sont devenus. Mais à l'époque de Rayman 4, quand Rayman 4 était encore en développement, je pense que l'idée des lapins crétins, elle était bonne, hein. Après, c'est devenu un truc hyper commercial, etc., tout ce qu'on veut. Mais au moment du développement de Rayman 4, je pense que l'idée des lapins crétins était vraiment pas mauvaise. Des petites créatures qui ont l'air inoffensives, puis qui d'un seul coup décident de contrôler le monde. Le concept marchait bien. Ah, oh, c'est bon, ça m'a cassé les couilles. On va passer au second, je crois. Pour le prochain, je propose Rayman Cooking Hell. Mais ça, c'est un truc qui va perdurer, j'ai l'impression, le Rayman Cooking Hell. Bon, les gars, je vous propose une dernière run, et après, on passe au second. Peut-être que ceux d'après seront un peu plus intéressants, parce que celui-là, on va pas se le cacher, l'intérêt est quand même assez minime. Mais il faut quand même les jetons, hein. Ça marche. Ah! Oh non, mais il a couru là-haut! On va passer au second jeu. J'en peux plus. Peut-être qu'on reviendra sur celui-là plus tard. Ok. Capture. Ok. Bienvenue dans The Spooky Remansion 2, les amis. En rapport avec le fan game, mais aussi l'idée de base, oui, je pense que j'étais trop matrixé par le commerce sur ces petites boules de poils blancs. C'est ça, je pense que c'est ça. Je pense que si tu essayes de te remettre dans le contexte de l'époque, de la création du jeu, je pense que l'idée des lapins crétins, elle est vraiment pas mauvaise, quoi. Joyeux Halloween, CrocoCraft! C'est quoi ce jeu? Alors, c'est The Spooky Remansion. Alors, c'est un fan game d'horreur tourné autour de Rayman. On est tout simplement poursuivi par Rayman sans son nez, qui est quand même une créature assez terrifiante, à l'intérieur de son manoir. Et là, je viens de passer au second jeu, parce que le premier est quand même très limité. Donc voilà. Oui, c'est des fan games, Shrosenta. Exactement. Let's go! Alors le premier je l'avais testé, mais alors les autres je les ai pas du tout testés. Ça fait un an que je me suis échappé de cet endroit. Les cauchemars sont revenus. Dans ces rêves, je suis à la recherche de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je dois y retourner. Je dois terminer ceci. Ok. Trouver la porte.
Ok, il faut que je me mette en QWERTY. Non. Merde, c'est quoi les touches? Ok, ça c'est bien pour reculer. Ok. Ah merde, mais non, mais les touches elles sont mises n'importe comment là. Non, il faut que je change un truc. Attendez. C'est bien Alt Mage pour se mettre en QWERTY, non? J'ai raté quelques lives au fait. Est-ce que Molko a fait une réapparition depuis? Eh bien non, Molko n'est pas réapparu, Chronosby. Toujours pas. On l'attend tel le Messie. Ça a l'air de suite plus poussé que le premier. Oui, j'ai bien l'impression, mais le problème, c'est que. Les touches, ça va pas du tout. Merde. Ah ouais, non, c'est horrible là, les touches. Ah putain, non, c'est horrible. Je peux pas jouer avec la manette. Attendez, les gars, je règle le problème. Ah, ça m'étonnerait que ça marche à la manette. Faudrait que j'essaye de me mettre dans le contexte de l'époque. Après, je peux tout à fait comprendre que tu sois réfractaire au design des lapins. Hein. Après, ça, c'est subjectif à chacun, bien sûr. Je dis pas que tout le monde doit trouver ça bien. Hein. Bon, ben les gars, je crois qu'on va jouer en marche arrière, vu que je... Voilà. Putain, non. Bon. Je suis désolé, on va passer au 3. J'arrive pas à régler les touches pour le 2. Passons donc au 3. La méthode brute, c'est de changer ton clavier FR en clavier MS depuis les paramètres. Bon, on fera peut-être ça après. Salut Orange Cat. Par contre, l'écran, voilà, un peu plus grand pour moi, s'il vous plaît. Au niveau de la capture, ça a l'air bon. C'est parti. Échappe-toi. Ouh la vache. Toggle lanterne with LMB. C'est quoi LMB? Oh non, mais. Ok, d'accord. Move around with. Ah merde, on va avoir le même problème. On va avoir le même problème. Fais chier. Putain, mais je pensais que Alt Mage, pardon, ça pouvait changer un clavier AZERTY en clavier QWERTY. Oh là là, on va être baisé à cause de ça là? Vraiment? Putain, en plus, il a l'air trop bien le 3. Il y a des trucs de Rayman 2 et tout là. Attends, on va faire ce que nous a dit. Ce que nous a dit Chronosby. Est-ce que ça, il faut... Je vais le faire des paramètres de l'ordi peut-être. Périphérique. Clavier. Ben, W, mais le problème c'est que... Ouais, je peux m'en sortir comme ça à la limite, mais c'est terrible. En fait, tout est inversé pour moi, quoi. Tout est absolument inversé, donc dès que je vais me faire poursuivre, c'est fini. Ça dépend des moteurs de jeu pour... Ah merde. Putain, j'aurais dû me régler ça avant. Est-ce qu'on peut rapidement me dire, s'il vous plaît... Oh non, je vais faire une recherche sur Internet, je vais pas faire l'handicapé. Passer un clavier en US. Ça, deux spi. Salut Garth. Salut Garth. Je suis en train d'essayer de passer mon clavier en US.
Oh non, putain, faut télécharger tous les trucs. Ajoute le clavier dans tes paramètres, le clavier QWERTY. Et tu peux changer en bas, à droite, après avec Alt Tab. Mais attends, si t'es sur Windows, ajoute le clavier dans tes paramètres. Ok, donc je vais dans paramètres, je vais dans saisie. Hein, parce que saisie, ça a l'air d'être les paramètres du clavier. Et comment je fais? Putain! Mais non, je suis dégoûté là! Attends. Paramètres. Une fois que je suis dans paramètres, je vais où? En fait, Mathias, si tu peux m'aider un petit peu sur ce coup-là. Je t'avoue que je ne sais pas comment faire. Paramètres du clavier. Ah, alors attendez, c'est peut-être là. Régional. Oh putain, ok, je crois que j'ai trouvé. On va mettre anglais. Si je mets anglais. Putain, il n'y a pas anglais États-Unis. Voilà, anglais et. Merde! J'ai mis anglais S. Eswatini. Anglais États-Unis. Si je fais ça, est-ce que ça a marché ou pas? Putain, non, ça n'a pas marché. Plus j'ai les sons du battement de cœur dans mes oreilles là. J'ai l'impression que c'est le jeu en fait, c'est de modifier les paramètres du clavier. Mais c'est un truc tout con. Ah putain, ça me saoule. Alors attends. Cliquez sur démarrer. Je vais faire ce que me dit de faire. Google. Tapez Intel. Dans le menu langue, cliquez sur détails. Déjà ça marche même pas. Heure et langue. Région, langue, clavier. Ok, je crois que j'ai trouvé. Ouais, mais là, en fait, je ne peux sélectionner que français. C'est normal, enlève et remets le jeu. Oh, quel con, en fait, si ça se trouve, j'avais trouvé. Ok. Ok, on va le refaire. On va le refaire. Attendez, il faut que je remette le jeu comme j'ai fait tout à l'heure. Je sais même plus par où je suis passé. Mon Dieu, quel enfer. Ok, j'ai trouvé. Non, j'ai pas trouvé. C'est terrible. Mais c'est terrible, j'arrive même pas à remettre ce que j'ai fait tout à l'heure. Clavier. Je veux retourner sur mes périphériques, s'il vous plaît. Clavier. Mais putain, si ça se trouve, j'avais trouvé et j'ai tout annulé comme un con. Mais si c'est la même année que la première apparition. Attends, Macha, je te lis après parce que je suis en galère pas possible.
suis en galère. Alors, où est-ce que je suis allé tout à l'heure? Système. J'essaye de pas m'énerver, mais je suis en train de péter un câble. Périphérique et imprimante. Mais putain, mais c'est tellement mal branlé le truc Windows, mon Dieu. Ok, je suis retombé sur le truc du clavier. Donc, régional. Ok. On va mettre anglais. Anglais, États-Unis, s'il vous plaît. Oui, voilà. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, quittons ce jeu et relançons. Et est-ce que ça a marché ou pas? On va voir. Oh, Kevin! Chalut à toi! Oh là là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, les gars. Bon, je crois qu'on est condamné à jouer au premier Remansion. Je suis désolé. Merde, voilà, merde. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais on est d'accord que c'était Alt plus Shift pour passer. Oh mon Dieu. En plus, tu m'as dit que c'était un truc tout con, mais franchement, je suis allé sur les paramètres du clavier, ça n'a pas marché, quoi. USB keyboard, régional, paramètres du clavier, matériel. Franchement, j'ai tout fait, hein. Régional. J'ai mis anglais, États-Unis, mais ça n'a rien changé. Ok, je ne sais pas. Ah, attendez. En utilisant un raccourci clavier. C'est très simple. Puis Et simultanément. il se peut si vous avez Ah non, installé. tais-toi, toi, je t'en supplie. Maj plus Alt. Est-ce que j'ai fait ça? Mais oui, je suis con, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Je vois l'endroit où on sélectionne les langues. Mais en fait, moi, j'ai pas ça. Langue. Langue. Clavier. Français. Voilà, en fait, je ne peux pas choisir autre chose que français. Si vous souhaitez utiliser une méthode d'entrée différente de la première, choisissez-la ici. Mais je ne peux pas en fait. Voilà. Je ne peux utiliser que français. Est-ce qu'il faut que je télécharge un truc? Non, j'ai absolument rien en bas à droite. Rien du tout. Je vois ce qui est censé être affiché. Normalement, il devrait y avoir un FR, etc. Mais il n'y a pas ça. Je vais essayer. Est-ce que c'est un truc à télécharger ou pas? Ajouter une langue.
Bon, écoutez, les gars. On va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Non, non, c'est impossible. C'est impossible. Je peux pas jouer comme ça, c'est impossible. Tu dois télécharger la version clavier US dans les paramètres. Mais alors, est-ce que je télécharge directement dans le menu paramètres? Parce que je crois pas que je puisse faire ça. Hein. Putain. Je suis désolé, les mecs, c'est un fiasco. Je m'attendais pas à ça. Attendez, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Quand même pas con. Ok, paramètres. Heure et langue. Langue. Sous-langue. Préférez sélectionner en contenant le clavier de votre choix. Ajouter une langue. Oh putain, ça y est. J'ai trouvé. Pff. Quel enfer. English, United States, installer le module. Non, 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 mais ne me fais pas tout ça, s'il te plaît. Installer. Ok, je crois qu'on s'en sort. Je crois qu'on va s'en sortir. Je crois qu'on va s'en sortir. C'est Windows 10, Gart. Ok, c'est en train d'être téléchargé, c'est en train d'être fait. Maintenant, j'ai le FRA qui se met. Hop, je passe en English. Alléluia! Alléluia! Ça y est, les gars. Ça y est. Oh putain. Cette soirée Halloween a failli être un fiasco, mais nous avons été aidés. Par vous-même. Merci beaucoup, Mathias et les autres pour m'avoir aidé. Je remonte un peu le chat pour voir un petit peu ce que vous avez dit. Ah, la machine dans le QGO de l'homme. Ça, pourtant, elle est pas si dure. T'as fini Laser Hawk et c'était incroyable, Dumbo. Eh oui. Très très bien, Laser Hawk. Très très bien. Mon père n'est pas fan des jeux, il prononce mal Rayman, il dit Ryan. Alléluia. Salut, casser des coups. Alors, tu as loupé une séquence incroyable durant laquelle j'essayais de passer mon clavier en US. Donc autant dire que le meilleur est à suivre. Allez, c'est bon, on est reparti. On est reparti. Alors, j'ai l'impression que mon clic. Alors non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup repartir sur le 2. Hein. Normalement, le 2 devrait fonctionner. Donc tout à l'heure, on a bien joué au premier. On n'est pas arrivé au bout parce que le jeu est infâme, mais peut-être qu'on réussira tout à l'heure. Là, voilà, allez, hop. On se débordit. Le cancer, bon, ça me serait, j'ai mal à la gorge depuis un moment, mais mon médecin m'a dit qu'il n'y a rien de grave. J'ai peur. Voilà, attention, hein. Mal de gorge égale cancer, c'est peut-être un petit peu rapide comme conclusion. J'ai pas suivi toute l'histoire, mais je relirai tout à l'heure parce que j'ai pas envie de dire des conneries. Alors, ok, find door. Je crois que j'ai find la door. Comment je fais pour l'ouvrir? Je ne peux pas. Alors, contrôle, c'est pour se baisser. Ok, on passe par là.
Plus aucune seule musique. Oh putain. C'est le même manoir que le premier, les gars. Cette photo maudite. Alors, cette photo, c'est le... c'est le costume d'un gars... c'est un costume officiel, hein. D'un gars qui était déguisé en Rayman pour un vieil i3. Pour le premier Rayman. Enfin, je sais pas, un i3 1995, un truc du genre. Mais effectivement, c'est un truc un peu curse. Donc... Ok. Donc là, j'ai trouvé la porte, d'accord. Mais en fait, ça doit pas être cette porte qu'on va chercher. Alors, il n'y a plus de things. Ah, mon clavier se déco. Mon clavier se déco en boucle. Les things sont la clé. Et la clé, c'est la victoire, d'accord. Rayman a rejoint la partie. Yes, wanted. Oh putain, Rayman Donkey Kong. Merci les gars, le live made. Ah mais oui, mais c'est, on parle de toi Dumbo, effectivement. Mais courage à toi Dumbo, hein. Force, force. Courage à toi mon gars. J'entends ce... Oh la vache, les images. Oh le Murphy. Oh. Ok, il me manque... Ok, je l'entends marcher, hein, le Rayman. Ok, il me faut encore 9 things. Alors je pense que ça doit déverrouiller des portes. Le jeu fait vraiment peur? En vrai, non, mais c'est juste que... C'est juste qu'on peut se faire surprendre, quoi. Je pense que le jeu est plus stressant que horrifique. On va pas se mentir, hein. C'est juste, le système de jeu est stressant, quoi. Donc, en gros, le principe du jeu... alors, en tout cas, dans le premier, c'était juste de ramasser tous les things de la zone... Alors là, on me demande d'en récolter un peu moins, mais je pense que les objectifs vont changer. Ok, ça c'est juste pour se planquer. Ok, je l'entends. T'as un jeu d'horreur Rayman avec les assets de Rayman 2. Ok. J'adore ce Murphy, hein. Très sexy. Je tourne en rond, je crois. Bon, en tout cas, le gameplay est mieux que le premier. Hein. Le premier, on se coinçait dans les murs tout le temps. C'était un peu infâme. Par contre, ici, il n'y a pas de carte. On n'a pas de carte pour se repérer dans celui-là. Oh là là, la vache. Ça va être compliqué, là. Il y a un trou dans le mur... Non, le jeu fait pas si peur en vrai, mais c'est juste que... Ah ! Oh, le timing de la phrase. Ouais, le jeu, il fait pas si peur. Oh la vache. Et voilà, je suis passé pour un con dans toute la France. Ok, donc en fait, les 13 things servent sûrement à ouvrir cette porte. Ok. Ça m'a l'air chaud de se repérer quand même. Je suis passé par là. C'est ça que j'aime pas dans ce genre de jeu, c'est que c'est toujours des putains de labyrinthes. Ouais, je l'entends. Oh, je l'entends, le bâtard. Ok, il m'en manque 6. Mm-hmm. Ok. Oh la vache. Je peux... Ah! Je l'entends derrière moi, ce connard. Ouh la vache. Ouh la vache. Il m'en manque 2. J'espère qu'il peut pas me suivre là-dedans. On est d'accord. Est-ce que vous me conseillerez Laser Hawk, le truc avec le genre de Rayman méchant? Oui, c'est très très bien Laser Hawk, nounours. Bon, on te le conseille.
de Things. Ok, plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un. Ok, je l'entends courir. Le petit mât. Ok, j'ai tous les Things. Il faut retrouver la porte. Il faut retrouver la porte. Je suis deg. Je suis deg. Putain. Bon, il est mieux que le premier. Le premier est... Mais qu'est-ce qui se... Oh non, non, mon clavier qui bug. Non, mais ça, c'est terrible. J'ai le clavier qui bug des fois. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai trop de trucs USB sur mon ordi. Du coup, des fois, mes câbles USB partent en couille. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Cette image, elle est géniale. Ça, je sais pas d'où ça sort. Ok, il manque deux. Deux things. Je sais pas si on peut le voir passer. Oh non les gars, commencez pas avec les feurs et autres conneries. Hein. Oh ! Ah non mais il court trop vite. Ah donc même si tu fuis... Oh la vache. C'est dur quand même, hein, cette connerie. Oh putain, oh la vache. Voilà, Shrosenta, on lui dit de pas faire un truc et il le fait, bien sûr. Shrosenta, encore un coup comme ça et c'est le ban. Dites-moi, est-ce que vous avez le son du jeu assez fort? Parce que si c'est à peine fort, c'est pas bon. Il faut que vous soyez dans l'ambiance. Soyons clairs. Je pense que je vais augmenter un peu votre son. Oh, fuck! J'ai trouvé un coffret Rayman M à 19 euros, plus de manette collector sur eBay, ça vaut le coup. Ouais. J'ai ce coffret. Et pour 19 euros, ouais. Il est sympa. Après, bon, voilà quoi. Hein, c'est juste une boîte. Mais si tu collectionnes un petit peu, ouais, 19 euros, c'est convenable pour ça. Elle est pas si rare, hein. On la trouve assez facilement, cette boîte de Rayman M. Donc, essaye de comparer à droite à gauche. Mais 19 euros, c'est pas... C'est pas hors de prix. C'est à peine fort. Non, mais attendez. Ça va pas du tout. Je vais vous le mettre à fond, moi. C'est Halloween ou c'est pas Halloween? Allez hop. Comme ça, si je me fais niquer, tout le monde aura peur. Oui, c'est Raymansion 2, Rayfun. Effectivement. Qui est beaucoup plus jouable que le 1. Même la petite main de Rayman là est sympa quand on
on regarde notre petit radar. Ok, je l'entends. Je l'entends. Je l'entends. Oh la vache, il est rapide le bâtard. J'ai trouvé des figurines McDo à 99€ aussi. Non, non, mais ça, par contre, c'est de la baise. N'achète pas ça à 99€. Hein. Les figurines McDo de Rayman, je crois que dans n'importe quel vide-grenier de France, t'en as forcément une dedans, hein, et les gens la vendent 50 centimes. Et même, même sur Internet, sur Vinted ou les sites comme ça, tu les trouves à moins cher, hein, faut pas déconner. Oh, j'en ai plein le cul, hein. J'ai jamais passé le premier niveau. Ah mais c'est chaud en vrai. Hein. Je trouve ça assez chaud. Hein. Surtout qu'il est rapide quoi. Il est vraiment rapide. Du coup c'est un radar. Il faudrait que je m'installe une soundboard. Tain, tout à l'heure on y était presque. Hein. Oh, quel connard! Je peux courir, en fait! Oh, quel con! Depuis le début, je peux courir. Je me disais, c'est débile, parce que du moment où il nous voit, on peut plus rien faire. Mais si, en fait... Ah! J'adore ce jeu. Putain, on peut courir, et en plus, il n'y a même pas de stamina, quoi! Non mais où? Eh ouais, tu parles, lui il est toujours en train de courir en fait. Alors ce qui est bien c'est qu'on l'entend quand même quand il est proche de nous. On entend des boum. Oh la vache, je l'entends, je l'entends. On dirait Chewbacca. Oh non! Putain, on manque 3 là. Oh je l'entends. Oh je l'entends. Oh je l'entends. Mais putain, il court ou quoi? Oh putain, il doit courir derrière moi le bâtard. Il y a 50 centimes en broc, le henchman 800 bondit. Ouais, ouais. Clairement. En Ubi, on peut avoir les skins Ramon pour les gens, voilà, pour le fin de DLC. En vrai, le skin Ramon, il devrait le mettre dans Brawlhalla. Dans Brawlhalla, il devrait le mettre, le skin Ramon. Oh putain, vite, vite, vite. Oui, oui, oui. Mais on manque. Ok, il faut trouver la clé maintenant. Ok, les gars, faut trouver la clé. Il est en train de courir, il est en train de courir derrière moi. Allez là! Oh la vache! Bruh. Bon, et si on passait au 3? Allez. Passons à The Spooky Remansion 3. Let's go. Eh oui, c'est trop triste. Oh là là. Oh, celui-là, il a l'air bien. Ouh, celui-là, il a l'air bien. Alors, est-ce qu'on va avoir une réserve pour la lanterne? Je ne sais pas. Parce qu'on peut l'allumer. Ah, fuel. Ah ouais, effectivement, on va avoir une réserve. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Est-ce que ça va être comme dans les autres et on va voir Rayman has joined the game? Alors, à quoi va servir d'éteindre la lanterne? Je pense que ça sert à rien.
C'est juste qu'il faut trouver du fuel pour la maintenir allumée, à mon avis. Le level design a l'air plus élaboré dans celui-là. Allez, salut Kevin, bon Halloween. Merci d'être passé. Ce bon vieux Kevin. Bon, je suis perdu et en plus j'ai l'impression que ma torche est en train de s'éteindre. La vache. Encore un dédale. Pour l'instant, Rayman n'a pas join the game. Alors, je devrais peut-être la jouer stratégique et pas allumer ma torche quand je suis dans des chemins étroits. Ok, j'ai mon cœur qui bat. Peut-être que c'est parce que Rayman n'est pas loin. Non, mais je vois plus rien. On peut pas recommencer? Vas-y, je recommence. Interrupteur. Mais what? Attendez. Attendez, mais j'ai redémarré la partie et pourtant je ne peux pas allumer ma lanterne. Est-ce que c'est fait exprès? Je ne peux plus allumer la lanterne. Est-ce que c'est normal? Mais je vois que dalle. Peut-être qu'il faut que je trouve du fioul. En fait, je me souviens plus. Tout à l'heure, j'avais la... Ah ouais, non, en fait, tout à l'heure, si ça se trouve, j'avais pas la... J'avais pas du fuel tout de suite. Putain, faut se bouger le cul. J'aime pas cette mécanique là. La mécanique du fuel, je l'aime pas. Ok, bouton. Bouton pour truc numéro 1. J'ai dû ouvrir la porte numéro 1. Très très bien. Je l'ai vu tout à l'heure, la porte numéro 1. Oh putain, je l'entends. Aïe 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 aïe. Fight the virus. Ok, le jeu a dû sortir pendant le coronavirus, à mon avis. Hein. Ouais, donc c'était un bug. Hein. C'était un bug. Ok, donc la porte numéro 1 était ici. Faut que je retrouve l'interrupteur, mais c'est chaud sans map, franchement. Ouais, mon sens de l'orientation, il est pas top, hein, les gars. En fait, je devrais réfléchir au cheminement que je prends, etc. Mais je suis un petit peu dans le stress, donc du coup, je retiens pas. Oh, je l'entends, ce bâtard. Vite. Ah non, je suis revenu sur mes pas. Bien fait pour ma gueule. Mais Rayman son nez, c'est une version alternative de Ray. Ah bah c'est le... C'est encore pire que Ramon, Rayman son nez. C'est Rayman... C'est Rayman qui aurait perdu contre Mister Dark et qui se serait arraché son nez dans sa folie.
Je dis n'importe quoi. Ok, c'est là. Je crois. Non, 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 c'est pas là, je crois. Oh putain, il est là-bas. Vite, est-ce que je peux courir? Oui, je peux courir. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est? Oh, Rayman! Evil Rayman. Ok, porte numéro 2. Sauf que je ne peux pas retourner en arrière vu qu'il y a l'autre enculé. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oui, exactement, Kevin. C'est le son de fin. C'est le yeah! Oh, il a l'air chaud le 3. Yeah. Ok, mais en fait, vu que je suis limité en fuel, je devrais courir tout le temps. Je pense que Rayman il pop dès qu'on active le premier interrupteur. Ok, je tourne en rond. Donc, attends. Porte numéro 1 et le couloir juste à droite, je crois que c'est l'interrupteur. Pas de conneries. Oh la vache. Oh le dédale à la con. Oh non, putain. Je tourne en rond. Ok. C'est là. En fait, le mieux, c'est d'apprendre le cheminement par cœur, mais c'est chaud. Oh, les bruits font peur. Hein. Les bruits font peur dans celui-là. Hein. Ok, Evil Rayman est ici. Ok, maintenant il faut que je fasse le tour et que je retourne là où j'étais tout à l'heure sans croiser l'autre énergumène. Ok, là il y avait une porte. C'est quelle porte ça? Je sais pas. Ok, porte numéro 1, porte numéro 2. Ok, ok. Ouh! Ouh! Ok, ok. Ok, porte numéro 3, mais sauf que j'ai pas vu de porte numéro 3. Où est-ce qu'elle est cette porte numéro 3? C'est quoi ça? Putain, je suis perdu. Merde. Non, non, je reviens en arrière là. Et t'es où la porte numéro 3? Du fuel, du fuel. Je sais pas si le fuel repop. Mais non. Elle est où la putain de porte numéro 3? Faut que je passe par là peut-être. Ah non, c'est le début. Rayman, c'est yeah. Numéro 3. Je suis con, c'est l'interrupteur. Ok, il y a une porte numéro 3 quelque part, je ne l'ai pas trouvée. Malheureusement, ma lampe à huile faiblit. Ouais, je crois que je suis foutu, les gars. Je crois que malheureusement, c'en est fini de moi. Ouais, bah c'est fini. Ok, du fuel. Ok, là c'était l'interrupteur. Oh là là, j'ai tourné en rond quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé un lumps. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je vois rien. On dirait un vieux qui pète. Putain, mais j'ai plus de fuel. Je vois rien. Ok, j'ai du fuel. Je suis perdu, les gars, je suis perdu. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une porte. Ouh, il fait bien flipper le 3. Hein. Il y a une ambiance. Hein. Ok, du fuel, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça le fuel. Ça, c'est une image promotionnelle de Rayman contre les lapins crétins, mais qui a été. Où il y a une symétrie qui s'est mise au mauvais endroit, quoi. J'entends des bruits bizarres. Et je suis revenu sur mes pas en fait. Merde, putain, l'alarme de mon téléphone qui m'a fait me chier dessus.
Faut aller où, putain? J'ai tourné ça? Ok, c'est pour ouvrir ça. Hein? Don't stop. Ouais, mon cul. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va installer Raymansion 4. Donc, celui qui est sorti cette année. Et on va voir ce que ça donne. C'est quand même pas mal, hein, en vrai. Hein. C'est quand même pas mal. Alors, Raymansion 4. En fait, c'est la maison de qui? C'est la maison de... De Noiseless Rayman. Donc, Rayman s'en est. C'est tout simplement son manoir. Voilà, Rimani, hop. Return to the Spooky Raymansion. On n'en aura fini aucun, hein, mais franchement... ils ont l'air hardcore. Hein. Je download Return to the Spooky Raymansion. C'est Rayman qui t'appelle. il est drôle cet Orange 4. Est-ce que c'est Rayman, Rayman ou Rayman Noiseless? C'est ça la question. Mais comment on y joue? Comment on y joue? Ah, c'est bon. Ok. Hop. Rayman, il a le nez de Jean Lassalle. Oh non, non, je suis pas d'accord. Jean Lassalle, il a un plus gros nez que Rayman. Ouh la vache, ça a l'air pas mal. Ouh, ça a l'air pas mal. Ok, c'est parti les gars. On joue tout nouveau là. Le Return to the Spooky Raymansion. J'ai l'impression que c'est toujours la même ambiance sonore. On va laisser comme ça. New game. Salut mon ami, j'ai entendu parler de cet endroit abandonné apparemment... Il y a plein de things. Je vais prendre mon radar à things et je vais aller jeter un œil. We're gonna be set for life, s'il vous plaît. Je crois qu'on sera bon pour la vie si cet endroit est réel, un truc du genre. Si je ne suis pas de retour, viens me retrouver. Best wishes. Et on ne sait pas qui a parlé, bien sûr. Ouh la vache. Ouh la vache. Ouh. Il y a de la modélisation 3D. C'est Bubble Frog qui t'appelle. C'est qui Bubble Frog? Ça a l'air plus sérieux. Effectivement, on voit entre chaque jeu qu'il y a eu de l'amélioration quand même. Alors, j'ai l'impression qu'on est dans les marais crapouteux. Attendez, alors j'ai une jauge de lumière. Le nombre de things qui me reste, distance, layer... Ah, j'ai un truc qui me met la distance par rapport au prochain things. Ça, c'est pas mal. Hein. Ok, je crois que je peux rien faire d'autre. Putain, l'ambiance sonore... met la pression. Hein. Je vais manger un petit bonbon pour me donner de la force, les gars. Un petit bonbon qui pique. Prenez pas exemple pour moi, c'est mauvais les bonbons. Très mauvais. Ok, donc on commence à l'extérieur du manoir cette fois. Et c'est déjà un dédale. Mm-hmm. Eh ben, au revoir Kevin. Bonne soirée à toi. Et bon Halloween, bien sûr.
Je suis perdu. Oh, les sales bruits! On dirait l'ambiance du désert d'Eknarens, mais en pire, quoi. Doflanico, il est chouette. C'est qui, Doflanico? Tu manges aussi des bonbons qui piquent, Dembo? C'est pas bien, ça. L'entrée du manoir. Ok, là, on a une jauge de stamina. On la voit en bas qui se recharge. Oh la vache. Oh, le vieux son de porte. Moi, j'ai hâte d'être un Thanksgiving. Ah oui, on a pété la porte, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux allumer une... Non, je peux pas allumer de lumière. Je pense que ma seule et unique lumière, c'est celle-là qu'on voit devant nous. On peut toujours courir. Il y a toujours des things. Ok, il y a un interrupteur. Rayman a rejoint la partie. Yes! Il est là, c'est Rayman! Ok, donc là c'est un vrai manoir quoi, on doit vraiment choisir où aller. Oh! Waouh! Alors là ce qui est bien c'est qu'on a une petite flèche qui nous indique les things les plus proches. Ah, ça ce tableau on connaît. Ok, je l'entends. Oh le tableau. Okay. J'entends notre pote Noiseless Rayman. Je l'entends. Putain, c'est vrai qu'on a de la stamina maintenant. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Pas sûr que ce soit un bon plan de rentrer dans un manoir barricadé au milieu d'un marécage. Ouais, effectivement, c'est pas le meilleur des plans. Hein. Oh! On a de... Notre Rayman au grand sourire. Oh, lui, c'est le meilleur. Lui, c'est le plus beau, lui. Ouh! Ouh, le Rayman en 3D! Ouh, il est en 3D, les gars! Oh, la vache. Exit. Ok, il reste 44 things. Bon, meilleure idée la flèche par contre. Meilleure idée. C'est ce qu'il aurait manqué dans le premier jeu. Au power-up has spawned. Find it. Ok, il y a un power-up quelque part. Apparemment. Alors peut-être qu'on va pouvoir combattre Noiseless Rayman dans ce jeu. Peut-être. Je l'entends. Ça fait pur. Hein. On dirait vraiment Chewbacca, en fait. Je l'entends, il est vraiment pas loin de moi. Oh putain, le bâtard. Oh la vache. Oh, le cri, il est plus fort que dans l'autre jeu. Oh l'enculé. Oh, il m'a fait vraiment peur celui-là. Oh, il m'a fait vraiment peur. Exit. Donc j'imagine qu'une fois qu'on aura tous les things, c'est là qu'on va devoir se diriger. Rayman has joined the game. Non mais attends, Rayman, j'ai eu le temps de rien faire. Ouais, il est bien fait, la Rayman, en vrai. Hein. Oh, Creepy Murphy.
Alors ça, je sais d'où ça vient. Ça... Ah! Ouh! Oh, le bruit, il est horrible. Le bruit, il est horrible quand il nous poursuit. Oh la vache. Je sais pas où je vais, là. Ok. Alors, mon con, comment on fait? Oh, il y a un escalier, il peut me suivre! Ah, j'étais en train de le taunt. Okay. Il abuse, il y a trop de things. Il y en a trop. Ok, il y a un power-up qui a spawn. Je sais pas ce que c'est, ça. Ah! Attends! C'est une canette! C'est une lessive laser! Multicolore! Elle sert à quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Je veux lui défoncer la gueule, moi. Oh non! Il est où? Il est où? Il est là. Vite, vite, vite. Oh le bâtard. J'ai plus de stamina, bâtard. Oh la vache, la vache, la vache. Ouh. Ok, j'ai activé un truc. Je crois que j'ai bien mérité un petit bonbon, non? On dirait qu'il va manger notre âme. Mais il a déjà fait, hein, je crois. Il a déjà mangé notre âme. Temps de remettre un peu droit cette capuche. J'avais hésité durant la dernière live de dire quelque chose sur Ubisoft. Mais j'ai vu ta vidéo live Rayman Origins. Ubisoft est deuxième pire, et il y a premier pire qui bâcle List Rayman. Alors je sais plus ce que j'avais dit dans cette vidéo de Rayman Origins. Je suis pas sûr de dire la même chose aujourd'hui. Hein. Je retire ce que j'ai dit parce que Ubisoft c'est vraiment pas les pires en vrai. Je pense que j'avais dit ça parce que j'étais énervé. Et tout, mais en vrai, Ubisoft ils permettent beaucoup de choses que d'autres boîtes ne feraient pas forcément. Même si on aimerait beaucoup revoir Rayman, voilà. Alors, bon, EA, je pense que c'est les pires du game, vraiment. Je pense que derrière doit y avoir Capcom ou Konami, un petit peu pareil. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Maintenant que j'ai mangé les kip-kip, je me gave de mentos et de raisin. Ne bois surtout pas de coca, Dumbo. Hein. Ton estomac risquerait d'exploser. Je te préviens au cas où. Putain, il y a Clark sur le mur. Y a encore, ça, je sais pas ce que c'est, ça. On va d'aberration en aberration. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh!
d'y retourner. Eh non, c'est vers là-bas. Ah non! Non, 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 non! Mais ouvre la porte! Je saute! Je saute! C'est bon, tout va bien, mais tout va bien. Ne paniquons pas, voyons. Oh le bâtard, l'enculé, il n'y a eu aucun bruit, il n'y a eu aucune alerte sonore. Oh non, c'est vraiment un truc de chien. Ah, la vache. Maintenant, il y a Blizzard. Ah oui, Blizzard, on espère que ça va changer avec Xbox. C'est vrai que Blizzard, ils étaient sur une pente descendante là depuis quelques années, hein. Non, pas Capcom, c'est des bons. Mais Capcom, c'est des bons, ils font des bons jeux, mais au niveau, niveau économique. Mais je suis pas après, après, je suis pas un pro de Capcom, donc je vais me la fermer maintenant. Je vais rien dire. Mais Konami, par contre, oui, c'est terrible. Alors, je veux bien après qu'on me bassine. Oui, mais c'est des entreprises, ils doivent gagner de l'argent, etc. Mais en fait, il y a toujours eu des manières plus ou moins saines de se faire de l'argent. Moi qui étais un très très gros joueur des jeux Blizzard, j'ai vu la décadence. J'ai vu l'entreprise couler petit à petit, quoi. Et ça fait de la peine, hein, parce que j'étais vraiment un gros fan de Blizzard. Hein. Ça fait mal. En espérant que Xbox arrange un peu les choses. Même si, bon, faut pas se faire non plus des illusions. Déjà, Bobby Kotick se barre, et ça, c'est très bien. Fils de pute. Ah, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué, les gars. Vous auriez pas une idée de jeu un peu horrifique Est-ce qu'il y a d'autres trucs un peu horrifiques de... Ah, mais attendez. Je crois que j'avais prévu autre chose. Attendez. Je crois que j'avais installé une map horreur dans Rayman Redesigner. On va voir. Salut Nounours! Bonne nuit. Fais pas trop de cauchemars. Bobby était un sacré personnage. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ok, j'avais téléchargé The Spooky Redungeon. On va voir ce que c'est.
The Spooky Ray Dungeon by Mortamon Saturn. Attendez, je baisse un peu le son, un poil. J'ai l'impression que c'est un peu fort. Je sais pas. Et sinon, c'est qui le les meilleurs d'après toi? Attends, j'ai fait de terribles rêves récemment. Des rêves à propos d'un étrange bâtiment dans un manoir sombre. Je peux voir quelques tokens magiques, quelques reliques magiques flotter par là. Je peux sentir quelque chose m'appeler, m'attendre dans les profondeurs de ce mystérieux donjon. Je dois aller à l'intérieur et trouver ce que je cherche. J'espère juste qu'il ne sera pas là. Ouais, tu me disais quels sont les meilleurs. Eh ben effectivement, c'est une bonne question. Parce que c'est vrai que je râle beaucoup sur les entreprises. Je dirais que les meilleurs... en termes économie, hein, je dirais. Mais en fait, les meilleurs, elles sont pas remarquées. C'est ça le truc. Généralement, c'est que les pires trucs du game qui ressortent. Et en fait, les entreprises qui ont pas des méthodes dégueulasses... Généralement, t'en entends juste pas parler, quoi. C'est juste des entreprises qui vendent leur game et puis c'est tout, quoi. Donc, ouais, t'en as plein, hein. Pff, t'as Insomniac, t'as Naughty Dog, même si je joue pas du tout à leur jeu. Mais c'est des entreprises qui te vendent leur jeu et puis voilà, basta. Après, il y a peut-être quelques DLC, mais vraiment pas grand-chose. Moi, ce que je parle, c'est surtout les DLC à foison, les jeux comme ça, tu vois, les trucs... Le genre de truc que fait IA avec les Sims ou avec les jeux de sport, tu vois. C'est terrible. Je me demande comment les gens auraient réagi si Mario et Sonic se la joueraient Ramon. Oh putain, je sais pas si Nintendo ou Sega auraient permis ça. Peut-être Sega, mais pas Nintendo. Ok les gars, c'est la première fois que je joue à Rayman Redesigner. J'ai installé Rayman Redesigner juste pour cette map. Alors c'est une démo malheureusement. On va voir ce que ça donne. Et c'est censé être une map un peu horreur. En tout cas, un petit peu thème Halloween. Oh, il y avait une plateforme en haut. Impossible que Nintendo fasse ce coup-là à Mario, à mon avis. Oui, non, Nintendo, il y a très peu de chance, effectivement. Ah, ben, génial. Après, on peut dire que Shadow est la version Ramon de Sonic, surtout quand on voit le jeu où Shadow tient des armes à feu. C'est vrai. Mais c'est pour ça que ces gars, ils sont plus à même de faire des trucs comme ça. Et puis même pour l'anniversaire de Sonic, il y avait eu le jeu Le Meurtre de Sonic. Pour ceux qui ont vu passer ce truc. Donc ces gars, ils ont pas de mal à jouer la carte du second degré avec Sonic. Nintendo et Mario, Mario, c'est trop sacré, quoi. Mais Nintendo, il se permettrait pas de faire des trucs comme ça. En tout cas, je pense pas. Le jour où Nintendo fera ça avec Mario, c'est le jour où Mario, les jeux Mario ne se vendront plus, quoi. Quand Nintendo essaiera de chercher une nouvelle recette, ils testeront des trucs différents avec Mario. Oh non, mais ça a l'air terrible, cette map. J'adore les petits studios indés. Ah oui, bah je parle même pas des studios indés, hein, mais... Moi, je parlais surtout des grosses entreprises. J'adore les jeux UbiArt. Il faudrait que je fasse un jour les autres jeux UbiArt. Je sais qu'il y a Soldat Inconnu. J'ai le jeu, mais j'y ai jamais joué. Soldat Inconnu. Et je sais qu'il y en a un autre. Je crois qu'il s'appelle Child of Light. Je connais pas du tout. Je sais pas du tout quel genre de jeu c'est, etc. Ok, il faut faire très attention parce qu'il y a des épines de partout. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'on va retrouver notre pote Noiseless Rayman? Ça serait énorme. Par contre, on voit que dalle. La vache. Mais on voit rien. Où dois-je aller? Par contre, ce gameplay là. Ce gameplay Rayman Redemption, il est tellement bien. Il y a des trucs en hauteur qui se barrent. Ah, attendez, j'ai les graines. Ah, putain, quel con, j'ai les graines. Ah, ça fait pousser des champignons. Trop drôle.
Ok, en haut à gauche, j'ai pas vu, je vois que j'ai des items. Ok, et là, j'ai attiré cette plateforme. Que puis-je faire avec? Est-ce qu'elle va remonter? Ah bah, elle s'est barrée. Ok, je peux éventuellement faire ça, mais du coup, je vais surtout faire ça. Voilà. Et ça a l'air d'être l'entrée du manoir. C'est dommage qu'ils utilisent l'UbiArt que pour Just Dance. Ils utilisent l'UbiArt pour Just Dance? Je savais même pas. Ok. En fait, le truc que j'allais dire qui est en commun avec un truc que t'as dit dans la vidéo, c'est que Ubisoft préfère faire des épisodes de... que rien. Ah oui, non mais ça, bon ben... Ça c'est sûr, c'est regrettable, mais après... Comment dire? En fait, en étant totalement pragmatique, tu te dis qu'ils ont raison de faire ça. Parce que ça leur demande peu d'efforts, et ça se vendra toujours mieux qu'un Rayman. Donc en fait, d'un point de vue pragmatique, oui, bien sûr, ils ont totalement raison de faire ça. Oh la vache, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un truc. Mais ce qui serait bien en fait, c'est que à côté de ces jeux faciles entre guillemets à faire, je dis pas que c'est facile de faire un Far Cry ou quoi, mais ça demande, disons, moins de folie ou de recherche que de créer de nouvelles licences ou de créer de nouveaux systèmes de jeux, parce que ça reste quand même plus ou moins toujours les mêmes jeux, des FPS ou des jeux d'action. Ben, à côté de ça, ils devraient se permettre plus de petits jeux, tu vois. C'est le seul truc que je reprocherais à Ubisoft, c'est ça en fait. C'est que... vous devriez avoir un pôle créatif, je sais pas, enfin une section d'Ubisoft qui s'occuperait de ça quoi. Qui ferait juste un peu des jeux un peu expérimentaux comme ça, qui pourrait faire des plus petits jeux. Et donc plus ou moins donc pourquoi pas refaire des Rayman ou quoi, tu vois. Mais après en vrai Ubisoft ce qu'ils font c'est pas mal parce qu'en vrai ils sont sur BGE2. Bon BGE2 on verra ce que ça donne. Mais déjà, ça, c'est un projet hyper ambitieux, BGE2. Et ils font de BGE2 un projet énorme, alors que le premier BGE n'a pas du tout été un succès commercial. Donc, en soi, là, ils prennent des risques avec ce BGE2. Ils prennent beaucoup de risques. Et puis, maintenant, on a Ubisoft Milan. Ubisoft Milan qui... qui eux font les Mario plus Rabbids. Je sais pas si Ubisoft Milan a fait autre chose que les Mario plus Rabbids. Mais en tout cas, eux, ils ont l'air de faire des jeux plus. Plus typés arcade, tu vois. Enfin, je me comprends quand je dis ça, mais. Le terme, c'est pas arcade, mais. Plutôt. Dans un style différent que le style habituel Ubisoft, quoi. Pas forcément un monde ouvert, c'est peut-être des univers un peu plus. Enfantins visuellement. Donc Ubisoft Milan pourrait créer... enfin, de toute façon, si un jour il y a un nouveau Rayman, ça sera Ubisoft Milan, hein, les gars. Et je pense même... Après, peut-être que j'ai trop d'espoir. Mais je pense même que le prochain jeu d'Ubisoft Milan, ça sera un nouveau Rayman. Hein. Je suis sûr qu'il y a un nouveau Rayman qui est pas si loin, les gars. J'ai jamais eu autant d'espoir depuis longtemps. Mais là, Davide Soliani, donc le directeur créatif... de Ubisoft Milan, il fait le forcing auprès d'Ubisoft pour faire un nouveau Rayman. Et aux dernières nouvelles, il nous disait ça. Et après, du coup, on n'a plus de nouvelles. Mais étant donné que le gars fait quand même du bon taf, que les Mario plus Rabbids, c'est quand même des très très bons jeux, qu'on aime ou on n'aime pas, hein, objectivement, c'est des jeux qui sont très bien produits. Mais je vois pas pourquoi Yves Guillemot, donc le PDG d'Ubisoft, qui d'ailleurs aime beaucoup Rayman, de ce que je sais, lui dirait non. Je vois pas pourquoi il dirait non à Davide Soliani, qui veut faire un jeu Rayman,
Je vois pas Yves Guillemot lui dire bah non en fait. Enfin voilà. Moi je me dis c'est vraiment je pense que s'il y a un moment où on a le plus de chances d'avoir un jeu Rayman, c'est maintenant quoi. À mon avis hein. Moi j'ai Child of Light, graphiquement c'est magnifique, des similitudes de gameplay avec Legend, c'est du tour par tour, alors évidemment c'est un peu chiant mais on se laisse porter par l'histoire. Ok, mais faudra que je les teste les jeux de Luby Art. Child of Light, faudra que je teste et tout. Salut Naruto Uzumaki. T'as des infos sur Rayman et les Moldies. Eh ben j'ai fait une vidéo qui en parle là, bon t'as dû la voir, mais non depuis j'ai aucune info. Pourquoi il y a eu des news? S'il y a eu des news, je suis pas au courant. Bon les gars, on se fait ce niveau et après on repart sur du Rayman Shun, je pense. Hein. Parce que ça, c'est pas très horrifique. Je pensais qu'il y aurait eu une dimension un peu plus survie. Finalement, ça a l'air d'être un niveau plutôt normal, mis à part qu'il soit sombre. Far Cry 3, c'était incroyable. J'ai stop quand ils ont commencé à faire à traire la vache. Alors moi, je vais pas trop me prononcer. Parce que je suis pas du tout un joueur Far Cry, etc. Donc c'est pour ça que je parle, mais en vrai de vrai, j'ai pas tous les éléments pour parler non plus. Hein. Donc prenez ce que je dis avec des pincettes quand même. J'ai pas la vérité absolue. Hein. Mais c'est vrai que voilà. De ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je comprends. Bah les nouveaux Far Cry, ils se ressemblent un peu tous. Les nouveaux Assassin's Creed, ils se ressemblent un peu tous. Ou alors, ils ne se ressemblent pas forcément dans l'aspect visuel, mais plutôt dans la structure même du jeu, quoi. BGE 2, je comprends pas comment ils vont optimiser pour les consoles PC à moins de 1000 balles avec la map qui permet de se balader à notre planète. Non mais moi, BGE 2, de toute façon, ce qu'ils ont promis pour BGE 2, pour moi ça n'arrivera pas, ou alors ça a très peu de chances d'arriver, je pense. C'est tellement ambitieux ce qu'ils veulent faire avec BGE 2 que... Je sais pas. Je suis pas sûr qu'ils y arrivent en vrai. Alors j'espère que le jeu sortira quand même. Mais même s'il sort... à mon avis ça sera pas aussi bien que ce qu'ils nous ont montré. Hein. Ça m'a l'air trop beau pour être vrai BGE 2 en vrai. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'adore dessiner, je dessine plutôt bien Rayman, voilà. Mais moi aussi j'adore dessiner Dembo. Je dessinais beaucoup. Quand j'étais petit jusqu'à fin adolescence. Où là j'ai découvert Photoshop et la tablette graphique et du coup après je me suis mis à dessiner en numérique. Et à la base moi j'aurais dû travailler dans le design et le graphisme. Ça ne s'est pas fait pour des tas de raisons. Je suis perdu dans ce niveau à la con là. À un moment je voulais même faire une animation. J'avais commencé un projet d'animation. Parce que je faisais un peu d'animation aussi. Je voulais faire un clip. On voyait Rayman courir avec en fond les musiques de Rayman. Et en fait il aurait couru et ça serait passé de Rayman à Rayman 2 à Rayman 3. Et en fond on aurait vu les décors des différents jeux défiler. Mais tout ça dessiné hein, etc. Alors j'avais commencé mais c'était tellement un gros projet que j'ai laissé tomber ce truc là. Mais je regrette un peu parce qu'en vrai c'est un truc que j'aurais kiffé faire. Mais c'est trop long quoi. L'animation c'est... Quand t'es seul c'est terrible. Bah je peux pas regarder s'il y a des news, j'ai pas Twitter. Ah. Non mais à mon avis il y aura plus de news hein, sur Rayman et les Moldies. Hein. La série elle est morte et enterrée. Hein, je pense. Savoir que c'est... Je trouve que Ubisoft semble faire de meilleurs jeux quand ils font des jeux à la Nintendo plutôt que des... Alors Ubisoft ils sont hyper talentueux en vrai. Hein.
les équipes d'Ubisoft sont hyper talentueuses. Mais je trouve que... Ils pourraient être un peu plus créatifs parfois. Voilà. Peut-être que c'est un peu con de dire ça, mais... C'est le sentiment que j'en ai, en tout cas. Plot twist, Ubisoft qui spamme les... Creed Far Cry chaque année pour financer... De rien 4 en secret. Oh bon alors là, je fais mon mea culpa. Je fais une vidéo mea culpa de 1h30. Ça serait incroyable. Genre Yves Guillemot avec son accent anglais à la truelle là. Coupé à la truelle qui explique. Ok guys, we have done millions of games, Assassin's Creed and Far Cry. For one goal, Rayman 4. Ça, j'en rêve la nuit. Chronosby, là, tu m'as vendu le scénario rêvé. Hein. Bon, les gars, je suis désolé pour le gars qui a fait la map, mais je ne comprends rien. Je suis pas d'humeur à réfléchir à ce point-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre ce bon vieux Spooky Remansion. Et on va se remettre le premier et on va essayer de le faire. Non, mais quoique le premier était horrible. Le premier, le gameplay était horrible. On va prendre le 2. Voilà, on va se remettre le 2. Le 2 était pas mal. Le 2 était pas mal. Bon, et je pense qu'après, on arrêtera sur celui-là. Parce que je commence à être un peu fatigué psychologiquement de me faire avoiner par ce Noiseless Rayman. Et voilà quoi. Aïe! Dans tous les cas, BGE2, après avoir attendu 15 ans, c'est imaginer tellement de trucs qu'on ne peut être que déçu. Ouais, il y a un peu de ça aussi, hein. J'ai voulu me lancer ce soir et j'ai posté des dessins sur TikTok. Les deux ont eu 400 vues en 20 minutes, c'est bien. Alors là, je peux pas te dire Dumbo, hein, j'utilise pas du tout TikTok. Mais ça m'a l'air pas mal, 400 vues. Moi aussi j'aime dessiner, je dessine même un personnage un peu inspiré de Rayman, j'essaie d'imaginer dans des jeux affronter des ennemis que je dessine, j'imagine aussi. Moi c'était mon truc ça, c'était quand je dessinais beaucoup, je dessinais toujours des... En fait j'imaginais toujours des jeux de plateforme quoi. Genre je dessinais des décors, je dessinais des ennemis, des personnages, etc. Et c'est pour ça que le jour où ils ont dit que l'UbiArt Framework serait open source, mais moi j'étais aux anges. Je me suis dit, putain, j'aurais juste à dessiner les décors, les personnages, et ça sera hyper simple d'en faire un jeu, etc. Donc moi, j'avais été hype de fou par ça. Malheureusement, ça n'est jamais arrivé, et ça, c'est une grosse déception, hein. Franchement. Tu peux faire les abysses de Rayman Origins, effectivement. D'ailleurs, les abysses de Rayman Origins, je pense que c'est mon niveau préféré de tout le jeu. Hein. J'adore ce niveau. Les jeux Rayman, les jeux Amacritin, Uber sont des jeux à la Nintendo pour moi. Oh non, putain, il y a cette phase dans le marécage de merde là. Ah non, non, mais non, c'est bon. C'est juste ça. Bon, les gars, j'espère que vous êtes prêts. C'est la run de la dernière chance. Si on finit pas le jeu maintenant, c'est la fin du live. Qui croit en moi dans le chat? Qui pense que je vais réussir à terminer le jeu maintenant? Bon, je pense que la totalité d'entre vous croit en moi, hein, évidemment. J'ai démontré mes capacités à maintes reprises. Le jeu contient des screamers violents. Non, non. T'as juste des gros yeux de Rayman et un... Il y a pire.
Il y a pire, mais j'ai quand même sursauté comme une petite pute. Hein. Non, 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 ta gueule, ta gueule, ta gueule. Je l'entends, il est derrière moi. Putain, il me manque un seul Tings. Ok, ok, je l'ai, il faut trouver la clé. Voilà, j'ai la clé, les gars. On va finir le jeu maintenant, je vous l'ai dit ou pas. Deuxième niveau, les gars. Oh, j'en reviens pas. J'ai first try le premier niveau. Ça, c'est parce que vous avez cru en moi. Ça, c'est parce que vous avez cru en moi. L'ambiance sonore de ce second niveau fait très peur. Oh, Glowbox! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bon. Bah, c'est quand même pas mal. Pour la fin, j'ai réussi à finir le premier niveau. Qu'est-ce que vous en dites? Plutôt pas mal, non? Bon, bah voilà, les mecs. Hein. Les minutes 42... Je suis en train de perdre toute ma santé mentale à continuer à jouer à ce jeu, donc je pense qu'on va s'arrêter là. On m'en voudrait pas. Bon. Merci Kebab. Pour la fin, je vais revêtir ce masque somme toute séduisant, n'est-ce pas? Ah merde, avec le casque, ça va pas le faire. FNAF est pire niveau jumpscare dans un jeu vidéo. Ouais, bah FNAF, c'est que des jumpscares. C'est un peu chiant à jouer, FNAF. FNAF, je trouve. Bon, je vais me faire des ennemis en disant ça. Je sais même plus si vous m'entendez avec mon masque pourri. Bref. Les gars. Merci d'avoir été avec moi. De m'avoir vu souffrir. Parce qu'en vrai, ça fait pas si peur. Mais c'est stressant quand même. Hein? J'ai quand même le cœur qui bat vite là. Donc voilà. Noiseless Rayman. Je t'ai niqué à la toute fin. Je suis content, on termine sur une petite victoire. Et puis voilà. Tu peux pas faire les abysses avant la fin du live. Malheureusement, Dumbo, je l'aurais fait avec plaisir. Mais Rayman Origins n'est pas installé sur mon ordinateur. Donc voilà. Je suis désolé. Hein. Et à l'année prochaine, pour sans doute un nouveau live Halloween. Et peut-être que d'ici là... Enfin, peut-être que dans ce prochain live, on arrivera à bout de Noiseless Rayman. Voilà. A plus les potes. Bonne nuit. Faites pas trop de cauchemars.